un mot, j'y dis. Allez, vas-y. Vas-y. Arrêtez de claquer les dents. Ça m'agace. Oh, mais j'aimerais bien vous y voir. Vous êtes blessé? Non. Ça va aller, Messieurs les voyageurs, point numéro 8, en voiture s'il vous plaît. Attention au départ. Y a quelqu'un? Gentile, eh? Devi stare gentile. Fermati un momento, dai, cosa ti ho fatto? E sto fermo un attimo, no? Dai, stai vuoto. Faccio un calcio, sai, per... Porca miseria. Fermati, no? Cosa stai a fare? Non ti capisco. Cos'è che vuoi? Non ti capisco cosa vuoi, non ti capisco. Eh? Vuoi un po' di zucchero, come vuoi, eh? Vuoi del zucchero? Si sa? Se parla forse si sta tutte travere, eh? E le caffè dalle sucre e le ri dalle caffè. Ah! Oh. Un po' di pain? Tiens, fai pas le pain? Fai pas le pain. Giochiamo a palla, eh? Giochiamo a palla, dai! Giochiamo a palla, dai! Vuoi giocare a palla, signora? Lei, vai! No, non giochiamo a palla. Fai pas giocare a palla. Hai capito? Tu veux pas ton pain? C'est un sucre, eh? Voilà. C'hai ragione anche, eh? C'hai ragione. Va bene così? Siamo amici adesso. Madame Constantin? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe là? Oh, excusez-moi, madame. Excusez-moi, mais par les temps qui courent, on n'aime pas ouvrir n'importe qui. Hein. Je suis chez moi ici. Qui êtes-vous? Je suis Sampietri. Angelo Sampietri, pour vous être agréable. Et mon mari n'est pas là? Oh non, mais je l'attends.
Pourquoi, il vous a donné rendez-vous ici? Quasimente. Bah, c'est mon fils qui vous a ouvert, alors. Oh non, madame. La porte, c'était pas fermée. Il vous a laissé entrer, celui-là, évidemment. Et pourquoi non? Parce qu'il vous connaît pas, voilà. Mais les chiens sont comme des hommes. C'est suffit de leur parler. À propos, je me suis permis de rajouter un zeste dans votre daube. Quel zeste? Dans la daube à l'italien, on met toujours un zeste d'orange. Enfin, mais qui vous a permis d'entrer dans ma cuisine? C'est quelqu'un. On a vu la daube là, en fond. Se vedevo tutto questo fumo che veniva fuori. Mi sono permesso di andare a vedere se andava bene, sì o no. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous m'en direz des nouvelles. Je connais quelqu'un qui va se régaler. Si vous l'invitez à table, bien sûr. Hein? Je suis quand même étonné que Louis ne m'ait pas parlé de vous. À quelle heure il va rentrer? Ben, j'en sais rien, moi. Mais vous le connaissez depuis longtemps? Vous avez entendu? Une voix qui s'est arrêtée là-bas. Ça vous dérange de regarder un moment, Théo? Pourquoi? Vous attendez quelqu'un? Moi? Personne? Ben alors. Oh, on dirait un corbillard. N'ouvrez pas. Messieurs. Toutes mes condoléances, chère madame. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis bien chez madame Fabre. Mais non, ici c'est le 7. Madame Fabre, c'est au 17. Ça m'étonnerait qu'elle vous ouvre en personne, vu que la chair a disparu, c'est elle. Qu'est-ce que c'était? Un enterrement qui s'est trompé d'adresse. Quoi? Dis donc, c'est rien passé de spécial, là, pendant mon absence, hein? Non, pourquoi? Tu veux que je te dise? T'es pire que le chien, toi, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah rien, c'est bien ce que je lui reproche. Oui, oh, ça va, tu peux frétiller de la queue, il y a vraiment pas de quoi, hein? Oh là là, vous pouvez vous montrer, ils sont partis! À qui tu parles? C'est ce que j'aimerais savoir, figure-toi. Où est-il passé? Monsieur Sampietri? Sampietri! Je suis là! Ah. Mais qu'est-ce que vous faites dans mes géraniums? Mais la pièce était vide. Je suis rentré pour déposer ma valise, non? En attendant. En attendant quoi? De voir où je coucherai. Ah, parce que vous comptez passer la nuit ici? Madame, c'est ma dernière nuit. Je suis condamné à mort. La police d'assurance a ce site particulier qu'elle joue uniquement en cas de mort violente. Violente? Accident ou meurtre. Le décès consécutif à quelque maladie que ce soit a été exclu du contrat. Et il a des raisons précises de craindre pour sa vie? Ah, mais ça c'est ce qui reste à éclaircir. Et si c'est le cas? Bien, il conviendra d'envisager une protection rapprochée de M. Sampietri. Sampietri? Il s'appelle Sampietri? Oui, Angelo Sampietri. Alors, excusez-moi, mais j'ai bien l'impression que la CIA va rapidement être contrainte de débourser le petit milliard prévu en cas de décès. Qu'est-ce que vous dites? Votre Sampietri est un homme mort. Et pour tout l'or du monde, on ne me fera pas m'occuper de cette affaire. Mais pourquoi? Mais parce que je tiens à ma peau, voilà pourquoi, sans parler de celle de ma femme et de mes enfants. Vous avez bien chargé un client ce matin à la gare. La quarantaine, les cheveux bruns frisés et un drôle d'accent. Vous savez, c'est qu'on envoie du monde toute une journée. Il avait avec lui une valise de cuir rouge. Je vois pas du tout. Lâche à perdre les lâches. Lâche. Guarda che bella ragazza, eh! Abbiamo altro da fare, capito? Lascialo andare, che magari quella... Signorina! Mademoiselle! Vous avez perdu votre écharpe. Ah, merci! Je n'étais pas aperçu. Merci beaucoup, hein! Non, mais si vous avez peur d'avoir froid, vous pouvez toujours m'offrir un grog, hein? Ça vous réchauffera. Bon, qu'est-ce que c'est? Tu sais bien, une daube. Ah non, voilà, elle a changé quelque chose à sa recette. Tiens, goûte un peu.
Alors ? Qu'est-ce que c'est ce petit goût, là ? De l'orange. Oh ! Bah oui, dans la daube à l'italienne, on met toujours un zeste d'orange. Mmh, ma puce n'en finira jamais de m'étonner, hein. Mais ça ne fait que commencer. Et tiens, suis-moi. Viens, viens. T'as de la visite. Ah, qui ça ? Angelo Sampietri. Il est ici ? Mais pourquoi tu ne m'as rien dit ? Mais comment voulais-tu ? En tout et pour tout, je l'ai vu qu'une fois, encore juste autant de lui passer les notes. Ah, bah c'est donc ça. Il en a pris pour 15 ans. Oh, que j'aime pas ça, que enfin, j'aime pas ça. Enfin, quoi, tu n'as fait que ton devoir après tout. Oui, bah ça, tu sais, c'est une question de point de vue. Et ces Italiens du Sud ont rarement le même que nous. Juste avant qu'on embarque, je me souviens qu'il m'a crié. Je l'entends encore. Je la tiens pour caméléon. Mon Dieu, il a dit ça? Oui. Oh. Tu sais quoi? Non. Je mangerais bien un petit morceau, ça m'ennuierait de mourir le ventre creux, moi. Oh, écoute, Louis. Dis-moi, et si tu partais? Bah où ça? Je ne sais pas, chez ta mère. À Menton? Pourquoi pas? Je t'appellerai dès que je m'en serai débarrassée. Mais comment feras-tu? La légitime défense, ça existe, ah, non? Oui, oui, on peut aussi en prendre pour 10 ans. Tu nous vois séparés pendant tout ce temps-là. Non, ça, je préfère encore prendre le risque d'y passer. Oh, écoute, pour la logique, tu repasseras, franchement. Oui, hein. Oui, mon revolver. Il est là. Tiens, les mains en l'air. Fais-toi bien, mon revolver. Camaleone. Quante volte ho pensato a lei, camaleone. Sì, mi sono sempre detto, se un giorno lo ritrovo, camaleone, lo devo stringere sul mio cuore, proprio come faccio. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas, mais il est là, plutôt content de me revoir. Content? Mais je suis ravi de vous revoir, camaleone. Moi, je recommence à vivre maintenant, oui. Camaleon, je reviens de loin, moi. Ils veulent ma peau. Mais qui ça? Je sais pas. Oh, vous avez bien une petite idée, quand même. Non, pas du tout. Mais alors pourquoi vous prévenez pas la police? La police, pour quoi faire? Me ne frego io de la polizia. Je m'en fiche, moi. Je suis pas bien ici, moi. Ah non, mais sérieusement, vous n'avez pas l'intention de vous installer chez nous? Mais oui. Louis. Oui, ma chérie. Il faut que je te parle. Non, mais tout de suite, là. Je vous demande un instant, là. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui ou moi? Tu penses bien que je vais flanquer à la porte vite, mais il faut me laisser le temps. 10 minutes. Oh, si je le prends de front, il va se braquer. 10 minutes, pas une de plus. À quelle heure on mange ici, d'habitude? Bah, ça dépend des jours. Hein. Bon, vous m'excuserez, hein, mais j'ai affaire, moi. Elle est charmante. Peut-être pas toujours très commode, mais elle est charmante. Asseyez-vous, monsieur Sampietri, j'ai quelques questions à vous poser. Non, je ne fous pas, merci. C'est dangereux. Il y a longtemps que vous vous sentez menacé? Ça fait 10 jours. Je promenais tranquillement via Veneto. Et encore un peu, je me fais écraser comme un chien. On ne fait jamais assez attention en traversant. J'étais sur le trottoir, bien de côté du mur. Tu pars en voyage? Je ne sais pas encore. Plutôt que d'être mis devant le fait accompli, j'aurais préféré que vous commenciez par m'en parler. Vous auriez accepté? Vous voyez bien que non. C'est-à-dire? Tandis que maintenant, avec l'assurance que j'ai fait sur ma vie, vous êtes obligé de surveiller ma sécurité. Ah, ben, je vous demande pardon. 1 milliard, ça fait beaucoup, hein, pour votre compagnie. Ah oui, sans doute. S'il m'arrive malheur, pas bien pour vous? Je vois bien qu'on est d'accord. Non, je reviens. Oh, bah non, ça fait pas 10 minutes. Oh, mais je suis pas encore partie. Puce. Je te préviens que le temps passe. Non, je t'en supplie, remonte cette valise au grenier. Mais une dépanque de toi. Non. Allez, vas-y, allez, vas-y. Écoute-moi. Vas-y. Anguille. Oui. On m'appelait comme ça dans ce temps-là. Comment se dit en français? Comment s'appelle le poisson noir, longue, qui bouge, qui ressemble à un serpent? Comment on l'appelle? Ah, une anguille. Voilà, anguille. On m'appelait comme ça. Jusqu'à le jour que l'anguille, il est tombé sur le caméléon. Vous voyez bien que j'en suis désolé, tout particulièrement aujourd'hui. Pas moi. On a le temps de réfléchir en prison, oui. Je vous emmerde. Ah non, 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 au contraire. Vous savez, j'ai beaucoup pensé à vous, en prison. 15 ans. C'était pas toujours des gentillesses. Ça, j'imagine. Et un jour, je me suis dit, tu vois, Angelo, si tu es ici, c'est parce que le caméléon est plus fort que toi. Et un jour, tu as besoin d'aide, de protection, de tendresse aussi. C'est à lui qu'il faut que tu t'adresses. Ça, c'est très gentil. Je suis très sensible.
Mais enfin, dans votre milieu, il doit quand même pas manquer de solides gaillards qui pourraient veiller sur votre sécurité. Ah, solide, oui. Mais sûr. C'est pour ça que je suis ici. Oui, alors... là, je vais sans doute vous décevoir, mais ça... Ça va pas être possible. Oh, non. C'est dommage. Moi, j'étais convaincu que... qu'on était déjà d'accord. Mais, c'est-à-dire que... vous y tenez vraiment? Oui. Bien, ben, je vais en parler à ma femme. Mais depuis qu'un homme, un vrai homme, elle demande la permission de sa femme. Non, mais c'est pour la forme. Ah, c'est pour la forme. Et alors ça va. Oui, excusez-moi. J'ai faim. Et vous? Alors, tout va bien? Oui, oui, monsieur Saint-Pietri nous fait le plaisir de rester dîner. Oui, je vous demande, si vous dérangez pas, une couverture en plus, parce que moi, ici, j'ai froid. Mais oui, c'est ça, il a froid. Il est armé. Et alors? Oh! Il faut pas penser que je veux pas la pension ici, hein? C'est plus un sou. C'est dommage, mais j'ai tout dépensé pour payer la prime de l'assurance. Et pour faire ça, j'ai vendu la Teresa. La Teresa? Eh oui, jolie femme. Elle m'a rapporté 300 000 pour jour. Pas de francs, de lire, hein? Mais c'est déjà quelque chose. Non, mais tu l'entends? Oui, ma puce, mais enfin, ça c'est... Ah, oh, non c'est... Un gangster à ma table encore, bon, passons. Alors, un Macron, ça jamais. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est ça, regarde-le, il est content de lui avec ça. Je te répète, il est armé. Et alors? Il n'est pas le seul, figure-toi. Mais... Oh, on va pas s'étonner avant de passer à table. Oui, remarque, il a de l'humour, remarque. Tu veux que je te dise, Louis? Tu me déçois. Tu te rends pas compte de la situation? Mais si, justement, enfin, Charlotte. Qu'est-ce qui se passe? Mets-toi tes affaires! Tiens ça, mon petit. Range ça, ça fait des ordres. Sors tout le monde. Bonjour. Ben, vous en faites une tête, qu'est-ce qui vous arrive? Qui elle est? C'est Isabelle, ma fille. Mais maman, où tu vas? Demande à ton père. Mais maman... Mais fais quelque chose, t'as envie de rester planté là comme une andouille. Tu vas savoir, je me mêle de mes affaires ou je m'occupe des tiennes? Oh non, écoute, tire-toi. Oh là là. Après tout, c'est sa faute. S'il avait su garder la maison, on n'en serait pas là, hein. Maman. Ah, maman. Va-t'en, Alex, va-t'en. Ne t'inquiète pas, elle va revenir, hein. Mais n'empêche qu'elle est partie. Mais oui, mais pas pour longtemps, tu la connais. Oh non, ça te pique. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais qu'est-ce que c'était? Rien du tout sur ces pneus qui ont éclaté. Louis. Oui, ma chérie. Louis. Oui, mais oui, ma chérie. Oh, il m'en tirait dessus, mais oui, je suis là. Tu es là, c'est le principal. Oh. Mais calme-toi. Mais personne ne t'a tiré dessus, maman, ce sont tes pneus qui ont éclaté. Mais non, enfin, il y a eu 3 coups de feu, je les ai comptés. N'empêche que ce sont tes pneus qui ont éclaté. Oh, bah tiens, c'est ça, alors 3 pneus à la fois. Oh, mais ce sont des choses qui arrivent, maman. Oh, chérie. Qu'est-ce que t'as dans la poche? Ben... Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Alex, t'as tiré sur ta mère? Mais non. Non, non, maman, non. Je t'assure, il a pas tiré sur toi. C'est sur les pneus qu'il a tiré. Hein? Non, mais tu comprends, on lui avait dit de faire n'importe quoi pour s'empêcher de partir. Oh. Psst. Qu'est-ce que vous faites par terre? Il faut fermer les rideaux. Il faut fermer les rideaux. J'ai peur qu'avec la lumière qu'il y a dehors, on me voit dedans. Puisqu'on vous dit que c'est moi qui ai tiré. Ah, tu vois, lui non plus, il y croit pas, hein. Je suis sûr qu'ils sont dehors, qu'ils m'attendent, je suis sûr. Ils ont peut-être de bons yeux, mais pas l'oreille aussi fine. Vous pouvez parler normalement, hein. S'il vous plaît, je vous en supplie. Il faut fermer les rideaux, fermer les fenêtres, fermer les portes, fermer la maison, fermer tous. D'accord, d'accord. Ah. Oh, ça c'est Pilou, il a faim. Si vous permettez, je prendrai un carampé de daube. Mais elle est là pour ça. Merci. Ouais. Je vais vous accompagner. Oh, bah toi, rien ne te fera jamais perdre l'appétit. Hein. Non, mais elle est si bonne, ma chérie. C'est le zeste.
Je m'en serais bien passée du zeste. Isabelle, encore un peu? Non, merci, j'ai fini, moi. Tu as froid? Bah non, pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette écharpe? On me l'a prêtée. Qui? Un ami. Mais vous connaissez pas, je l'ai rencontré cet après-midi. C'est un Italien, tiens. Comment s'appelle? Que je peux vous foutre. Isabelle, je te prierai d'être moins polie. Serafino. Il s'appelle Serafino. Voilà. Vous êtes content? Quoi? Serafino? Oui, c'est un nom très courant en Italie. N'empêche, ridicule. Alors toi, attends d'avoir vu la bête. Après, on en reparlera, d'accord? Tu devrais nous le ramener à la maison, ma chérie. Et pour quoi faire? Monsieur Sampietri sera sûrement ravi de rencontrer un compatriote, non? Oh, si, certo, certo. Vous finissez pas, là? Non. J'ai les yeux plus grands que le ventre, comme on dit chez vous. Et qu'est-ce qu'il y a? Faire couler un bain, je vais. Tu sais l'heure qu'il est. Non, mais il faut que je te parle. Je t'écoute. Alors va d'abord faire couler un bain. Bon, on va pas aller discuter dans la baignoire. Hein? Oh, mais ce que t'es paresseux, c'est pas vrai. Vers ces cloisons en papier mâché, on entend tout. Mais justement, ça va le réveiller. Oui, mais s'il se réveille, ça va l'empêcher d'écouter. Ah, excuse-moi, mais tu n'es pas toujours facile à suivre. Louis, écoute-moi. Contrairement à ce qu'il nous a raconté, tu sais parfaitement qu'il veut lui faire la peau. T'as vu sa tête quand Isabelle a parlé de cet Italien qu'elle avait rencontré? Écoute, ne me dis pas que ma fille est tombée amoureuse d'un tueur. C'est pas la question, puis enfin, tu la connais, avec elle, ça dure jamais longtemps. Tu prends les choses du bon côté. Non, mais allez, revenons à Sampietri, tu veux? En nous cachant le nom des types là qui veulent le descendre. Eh bien, il veut nous laisser dans l'ignorance d'un point essentiel. Quoi donc? Quelque chose qui nous permettrait de l'envoyer en prison. Pourquoi en prison? Eh bien, dis-moi un peu où serait plus en sécurité. Ah. C'est qu'il y a des moments où tu me fais peur, toi. Moi, je ne serais pas étonné qu'il soit mêlé en hold-up ou des vols qui ont eu lieu ces derniers temps. Ça n'expliquerait pas qu'on veuille le tuer. Écoute, demain matin, tu vas aller à la PJ. Tu vas demander la liste de tous les gros coups qui ont eu lieu ces 15 derniers jours. Non, non mais tu ne te rends pas compte. Et si ça ne suffit pas, on ira jusqu'à Interpol. Voilà. C'est ça. Dis donc, t'as pas peur qu'elle déborde? Ah non, j'ai pas mis la bombe, ça peut couler toute la nuit. C'est parce que j'ai sommeil. Louis, avant tu vas me promettre une chose. Tu m'auras débarrassé de cet individu avant mon anniversaire, d'accord? Je le jure. Je te signale que c'est après-demain. Hein. Déjà? Eh oui. Comme quoi, t'as intérêt à te lever tôt. Qu'est-ce qu'il fout? Oh, il finira bien par nous mener quelque part. Peut-être bien qu'il place des savonnettes pour les aveugles. Très brun, dans la quarantaine, et il avait avec lui une valise en cuir rouge. Je ne me souviens pas qu'elle était rouge. Ah, mais alors vous l'avez vue? Ah oui, je l'ai vue. Vous pouvez pas me dire dans quelle maison il est entré? Buongiorno. Oh, le beau kimono. Oh oui, c'est le dernier cadeau de la Teresa. Ah. Alors, qu'est-ce que vous prenez le matin? Oh, je prends pane, burro, marmellata, un succo di frutta, un po' di cioccolata. Bien, ce sera du café. Ça va. Votre mari dorme encore? Non, bon, non, tout le monde est sorti. Où? À la PJ. Quoi faire? Vous lui demanderez quand il rentrera. Qui s'appelle? Allez ouvrir, vous verrez bien. Mais c'est Louis. Qui ça, lui? Je vais ouvrir. Alors? Oui, c'est Louis. Vous l'avez reconnu, donc vous le connaissez. Il m'a retrouvé. Bon, allez, filez dans votre chambre. Non, laissez-le fouiller la maison. Et vous trouvez, vous tue, voilà. Mais pourquoi vous me détestez comme ça? Ah, ben ça, la sympathie, ça se commande pas, hein. Non, ça se commande, la sympathie. Parce que moi, maintenant, je suis très sympathique. Et vous me cachez! Monsieur, ben, excusez-moi, mais j'étais dans mon bain, là. C'est moi qui m'excuse de vous déranger, madame. Mais je suis à la recherche d'un ami qui a pris pension dans le quartier. Un ami? Oui, oui, un ami très cher.
Ah bon, bah alors entrez. Dites, patron, c'est pas la villa de Caméléon, ça? Comme coïncidence. C'est pas une coïncidence. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Même que j'aurais dû y penser tout seul. Mais enfin, je ne comprends pas, parce que pourquoi ce monsieur que je ne connais pas serait-il descendu chez nous? Pour éviter de se faire descendre ailleurs. Oh, voilà. Où est-il? Vous ne me croyez pas? Non. Ah bon, bah alors le mieux, ce serait que je vous fasse visiter la maison. Qu'est-ce qu'il a? Oh, bah c'est l'heure de son sucre. Il est dans l'armoire? Dans l'armoire? Le sucre? Oui, il est dans l'armoire. Bien, donnez-le lui, je n'ai pas une minute. Pas pressé, hein. Pourquoi? Ça sera fait. Bah oui. Oh là là là, ça vient, ça vient, ça vient. Allez, 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 on va te le donner, on va te le donner ton sucre. Ok, patience. Allez, tiens, puis fiche-moi la paix, hein. Enfin, il doit avoir fait quelque chose de sérieux, ce monsieur, quand même, pour que vous ayez envie de le descendre. Vous ne parliez pas de me faire visiter la maison? Vous attendez quelqu'un? Non. Allez voir. Vous le connaissez? Ah, c'est le commissaire Renaud de la police judiciaire. Qui? C'est un ami de mon mari. Oh, il a dû passer pour lui dire un petit bonjour, mais enfin, rien d'inquiétant, hein. Si vous voulez, je peux vous présenter comme un parent. Je ne tiens pas à le rencontrer. Mais écoutez, moi, je veux bien vous cacher, hein, mais où? Dans l'armoire. Venez. Il n'y a pas une porte qui donnerait sur l'arrière? Oh si, il y en a bien une là. Allez ouvrir. Oh, commissaire. Où il est? Vous avez dû le croiser, il est allé vous voir. Qui ça? Eh ben Louis. Il n'est pas question de Louis. Ah bon, mais de qui? De l'homme qui est entré ici tout à l'heure. Quoi, l'employé du gaz? Louis du gaz. Vous savez pas qui c'est? C'est Domenico Cristaldi. Le gangster? Où il est? Ah oui, j'en sais rien, il a relevé le compteur puis il est parti. Eh ben, il a dû déjà faire un bon bout de chemin. Commissaire, entrez, asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il voulait? Il ne m'a rien dit. Il espérait tomber sur Louis. Croyez? Il était venu négocier. Négocier? Les bijoux de Barbara Cunningham sont assurés par les soins de la CIA. Ah? Votre mari ne vous a pas dit qu'il était au courant? Bon, vous savez, hein, moi, sorti de mon ménage... Eh ben, je viens de faire un joli pas en avant. Notez bien que je m'en doutais, mais maintenant, j'ai bien la preuve que c'est Cristaldi qui a volé les bijoux. Bah, vous êtes fort, vous, hein? On se défend. Qu'est-ce que vous disiez, là? Vous parliez de preuves. Je viens de vous le dire. Le fait que Cristaldi cherche à négocier avec la CIA, la voilà, la preuve. Remarquez, ça finit toujours comme ça. Plutôt que de fourguer leurs marchandises à bas prix, les voleurs préfèrent négocier encore avec les assurances. Tout le monde le sait, personne n'en parle. On fait plus confiance à la police. Oh, vous croyez? Caméléon va encore me doubler. Oh, faut pas dire ça, commissaire. Allez, si on prenait un petit remontant. C'est pas la peine. Si, si, en vitesse. On doit en ranger là-dedans. Ah, oh, bah ça, oui. Il y avait la même chez mes parents. On s'y enfermait avec mes petits frères quand on jouait aux gendarmes et aux voleurs. Ah bon? C'était le bon temps. À votre santé, commissaire. Ça me fait penser à une pièce de théâtre, ils étaient quatre là-dedans. Oh. Il y avait l'amant comme de juste, puis l'huissier qui était venu faire le constat d'adultère, la petite bonne et puis... Toi aussi, je crois, un chanoine. C'était au Palais Royal. Oh, je vous parle de la grande époque quand on savait encore s'amuser. Maintenant, c'est fini. Dans des choses qu'on ne voit plus. Écoutez, commissaire, vous savez, je... C'est pas que je vais vous mettre à la porte, mais...
Si jamais ce cristal dit guette le retour de mon mari, il vaudrait peut-être mieux qu'ils ne vous voient pas ensemble. Vous avez raison. Voilà, tenez. Merci. D'un autre côté, j'aimerais savoir s'il a décidé de négocier ou non. Eh bien, je lui dirai de ne pas le faire. Ah, il vous écoute? Ah, vous savez, quand je veux quelque chose... Non, si vous préférez rester, vous pouvez, mais dans ce cas, je ne réponds plus de rien. Tandis que si je lui parle, comme je sais le faire, quand je veux me faire entendre... Ça mérite réflexion. Il ne négociera pas. On verra. Tenez. En tout cas, merci. De rien, commissaire. Vous avez été très coopératif. À l'occasion, je saurai m'en souvenir. Merci, commissaire. Oh. Bien, à nous deux. Il est parti? Il est parti. Oh, bien. Qu'est-ce que l'attend pour m'ouvrir? Pas avant que vous m'ayez dit où sont cachés les bijoux. Mais quels bijoux? Ceux de Barbara Cunningham, au cas où on parlerait pas des mêmes. Mais non, mais c'est pas moi que je l'ai pris. Vous avez pas écouté la police? C'est Dominique avec sa bande. Ouais, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'ils les ont pas eu longtemps entre les mains. Et qu'un salaud de votre espèce leur a joué un coup en vache. Mais s'il vous plaît! Je me trompe? Dis donc, tu sais que c'est pas donné les chambres à air. Devine pour combien j'en ai eu. J'étouffe! Vous répondez? Oh, moi j'ai tout mon temps, hein. À qui tu parles? Il y en a qui font tourner les tables, moi je fais parler les armoires, chacun sa spécialité. Où sont cachés les bijoux? Mais moi, j'ai pas les bijoux! Mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Je meurs! Bah quoi, c'est lui qui m'a demandé de l'enfermer? Ah oui, j'ai demandé d'être enfermé, mais maintenant je vais sortir! Pas avant d'avoir parlé! Mais j'étouffe! Il y est depuis combien de temps? Une petite heure. Bah moi, à ta place, je penserais un peu à l'assurance. Mourir étouffé dans une armoire, c'est une mort violente où je m'y connais pas. On ferait peut-être mieux de lui ouvrir. Ta mère est un monstre, mon petit. Une folle perverse qu'on aurait dû noyer le jour de sa naissance. Lève-toi. Qu'est-ce que vous faites encore par terre, vous? On va quand même pas vivre les rideaux. Tirez! J'ai un petit malaise, mais maintenant, ça va mieux. Maman l'avait enfermée dans l'armoire. Dans l'armoire? Oui. Elle a essayé aussi de faire rentrer cette espèce de mourena de Domenico. Domenico? Oui. Et il s'en est fallu de peu que je réussisse. Oh, ça aurait été le couronnement de ma carrière. Non, mais qui est ce Domenico dont vous parlez, là? Ben, l'assassin de monsieur. En effet, Domenico, il ne m'a jamais pardonné de lui avoir volé la Thérèse. C'est ça, la vérité. Ah oui, c'était dans ça. Hein? Eh oui. Tu vois pas qu'il se fout de toi, là? Si vous voulez, on joue aux cartes, pour changer un peu. Non, vous savez, les cartes... 100 francs le point. Hein? Oh, ben c'est ça, tiens, pour que toutes nos économies y passent. Non, non, pas question, hein. Papa, tu mettras pas la chaîne de sécurité, hein, je sors. Où vas-tu? Ben, j'ai rendez-vous. Avec qui? Pas avec Séraphine, j'espère. Non, mais de quoi je me mêle? Non, c'est vrai qu'on commence vraiment à me casser les pieds. Isabelle, écoute-moi. Non, maman, c'est toi qui m'écoutes. Mais... Je te rappelle que j'ai 22 ans et que je fais ce que je veux, d'accord? T'as peut-être 22 ans, mais tu ne sortiras pas. Eh ben, si. Bon, si ça doit rassurer tout le monde, je vais l'accompagner. Pourquoi tu te presses comme ça? T'as peur qu'il ait pas la patience de t'attendre? Toi, je te préviens, tu vas me foutre la paix, hein. La rue est à tout le monde. T'avises pas de nous emmerder, tu vas le regretter. Oh, oh, oh. Tu peux te marrer, un mot de moi, il t'aplatit. Ça, j'aimerais voir ça. Ben tiens, ça tombe bien, il arrive. Bon, bah, salut. Moi, je rentre. Mais y a pas de quoi s'inquiéter, au contraire. Ah non! Où ce garçon se doute de rien et elle court aucun danger. Mais ça, c'est vite dit. Ou enfin, pas plus qu'avec les autres. Ou alors, il sait que Sampietri se cache ici. Mais il va tout faire pour qu'elle le ramène à la maison. Manquerait plus que ça. Bon, enfin, faudrait savoir ce que tu veux, Louis. L'essentiel, c'est qu'elle rentre, non? Oui. Oui, t'as raison. Ben, allez, viens te coucher, là. Où est ta chambre, Tchitcha? Bah, je voudrais bien manger quelque chose avant. T'as pas faim? Si, Anya. Viens. Thank you.
seule. Mais seule ou pas, elle est rentrée. C'est essentiel. Bah, et sans Pietri, qu'est-ce que t'en fais? J'ai pas envie qu'il se fasse crever sous mon toit. Isabelle? C'est toi, Isabelle? Où est mon revolver? À sa place, dans la boîte à couture. Ces plombs sautés. Chut. Isabelle? Isabelle, réponds-moi. Bravo, tu te tires dessus maintenant, t'as l'air malin. Bah et toi, tu t'es regardé? Excuse-moi, mais tu m'en as pas laissé le temps. Oh, mon pauvre chéri. Attends. Ah, quelle horreur! T'aurais pu laver tes éponges. Pourquoi? Elles étaient pleines de savon. Excuse-moi, mon chéri, c'est vrai, ça t'a raison. Si tu comprends quelque chose, tu m'expliques. Allez, viens, tu vas pas coucher là, non? Bah, qu'est-ce que tu fais dehors, toi? Viens là. Oh, bah, viens là. Ah, sacré pilon. Oh, attends, vois. Qu'est-ce qu'il a, là? Qu'est-ce que c'est? Dis donc, ça ressemble à un fond de culotte. Regarde. Mais t'as raison. Hein? Ah, te voilà, toi. Tu sais ce que tu mériterais? Oh, écoute, lui, tu vois bien qu'elle est encore sous le choc. Mais enfin, moi je le sais pas, peut-être. T'es complètement folle de nous amener ce type ici. Mais c'était pourtant la solution. Ah oui, avec un peu de chance, il nous débarrassait de l'autre. Deux balles dans la tête, on n'en parlait plus. Isabelle. Quoi, Isabelle? Pour une fois qu'elle drague est utile. Oh. Mais tu les entends, Louis? Chut. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que ça vient du grenier. Qu'est-ce que vous faites sur le toit? Mais il faut bien que je me cache à quelque part, non? Je peux rentrer. Faites attention. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui. Si j'avais dû compter sur vous pour ma sécurité, on merci bien. Allez, qui est? Angelus serait mort. Eh hey, non, vous êtes toujours parmi nous. Tenez-moi. Oh. Oh, ça vous dérange? Bonjour, mère. Puce.
Tu nous fais un petit gâteau? Eh oui, tu vois. En quel honneur? Oh, une idée qui m'est venue comme ça. Là où est le pain? Il n'y a plus de pain? Ah non, il n'y a plus de pain. Angelo mange tout. T'as qu'à prendre des biscottes. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la tête? Pour faire la tête, faut avoir une raison, comme j'en ai pas. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Au secours! Au secours! Au secours! Avant, on m'a fait autre chose. Joyeux anniversaire, Charlotte. Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Je vais mourir. Je suis paralysé. Qu'est-ce qu'il a? Ben, il est paralysé. Mais tu vois pas qu'il fait ça pour que je lui apporte son petit déjeuner au lit? Eh ben, n'y comptez pas. Non, mais vous avez essayé de vous lever? Non, j'ai essayé. C'est impossible. Bon, ben, j'appelle un médecin. Non! Pourquoi? J'ai pas confiance en personne. Je voudrais seulement un prêtre. Un prêtre? Et pourquoi faire? Je veux un prêtre! Tout ça pour un coup de froid qu'il a pris sur les reins? C'est pas des coups de froid, un prêtre! Je vais mourir. Évidemment, vous avez pris froid cette nuit sur le toit, c'est évident, ça. Ah, attendez, j'ai une pommade, c'est tout à fait ce qu'il vous faut. Un prêtre! Oui, ben, c'est pas incompatible. Mais quoi? Ta pommade et son prêtre. Il n'en est pas là, quand même. Je sais jamais. Je vais un prêtre, s'il vous plaît, Angelo va mourir, pauvre Angelo va mourir, je vais un prêtre. Bien, alors, vous voulez vous confesser? Oh oui. Je vous écoute. Mais je vais pas me confesser avec vous, je vais un prêtre. Écoutez, on va pas mêler un prêtre à nos petites histoires, il y a des limites quand même, non? Ce sera indécent. Alors, où avez-vous caché les bijoux? Je comprends pas de quoi vous parlez. Je vais un prêtre! Alors, moi, s'il leur dit encore une fois, je l'étrangle. Je vais un prêtre! Mon fils est allé le chercher. Tu parles pas sérieusement? Ce sont des choses qui ne se refusent pas. Grazie. Nous apportons quelque chose à boire. Ça va vous redonner des forces. Le bouillon de 11 heures. Elle plaisante. Tenez. Oh, pardon. Oui. Voilà. Le prêtre. Où il habite, au Vatican? Ah, ben, il était temps. Toutes mes condoléances, madame. Ah ben, les nouvelles vont vite, à ce que je vois. Nous sommes motorisés, madame, et monsieur le curé n'a qu'une bicyclette. Faut pas toujours prêter attention à ce que dit ma femme, vous savez, elle est très taquine. C'était pas le curé? C'était les pompes funèbres. Les pompes funèbres? Alors, deux fois dans la semaine, je trouve que c'est beaucoup, quand même. Oh non! Oh, ça l'a fait! Mais non, c'est un malentendu, voilà. Non, c'est pas un malentendu, non, non, c'est pas ça. Vous croyez? Il arrive. Qui ça? Qui veux-tu, le curé? Mais il a intérêt à pédaler, celui-là, hein. Sinon il va m'entendre, c'est moi qui te le dis. Bah, écoute, Charlotte. Tu vois pas qu'ils sont de mèche, les pompes funèbres, lui? Mais non, mais c'est pas vrai. Écoutez, c'est un coup de Domenico. Écoutez, mais en Sicile, quand il y a un homme qui est condamné à mort pour la mafia, et bon, il envoie quelqu'un dans sa maison pour prendre les mesures, vous comprenez? Il prend ses mesures, oui. Et pour lui, c'est l'affaire. Non, non, tu permets, je vais y aller moi-même. Oui, vas-y. N'ouvrez pas! Oh là là! Quoi, oh là là?
Ah, monsieur le curé, si vous voulez, vous donnez la peine. Ah ! Alors, qui c'est-il, celui des deux qui aplatit l'autre ? Oh, c'est Serafino ! Vous avez entendu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, j'en sais rien, moi. Et apparemment, ça aura suffi à vous redonner des ailes. Hein. Ah, c'est malade. Oh. Eh ben voilà, ça continue. Il a l'air salement amoché, il faudrait peut-être appeler le SAMU. Penses-tu, il n'y a qu'à le déposer sur le trottoir. Mais enfin ! Pourtant, l'état où il est. Enfin, Louis, on peut pas tout faire. J'ai que deux bras, moi. Puis tu dois aller rue Saint-Honoré, toi. Rue Saint-Honoré ? Le sac que tu m'as promis pour mon anniversaire. Oh, merde, c'est vrai, c'était son anniversaire. Happy birthday. Oui, bah, ça va, allez, raté pour raté, maintenant ça peut attendre. Allez, toi tu prends les pieds, toi les bras. Mais écoute, on va pas l'abandonner sur le trottoir. Mais t'inquiète pas, Dominico doit être dans les parages, il passera le ramasser. Qui ça peut être ? Ah, parce qu'aussi c'est peut-être vraiment le curé. Ah bah oui. On va passer par la porte derrière. Allez-y, allez-y. Rage. Monsieur le curé. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Des soins donnés à notre malade. Tu vas voir qu'il finira par nous faire remarquer ce con. Ben voilà. Qu'est-ce que je vous disais ? Merde ! Quoi ? On a oublié de brancher le magnétophone. C'est un service que je vous demande, mon père. Vous voulez de moi ou quoi ? Les derniers volontés de Mourin, ils sont sacrés. Vous avez de la chance que je sois tenu par le secret de la confession. Mais vous ne perdez rien pour attendre. Là-haut, ce sera une autre paire de manches. Moi, je vous le dis. Vous ne vous en tirerez pas aussi facilement que sur la terre. Monsieur le curé. Bon. Ben oui, c'est entendu, vous pouvez compter sur nous. Je vais le lui dire. Quelle journée. Et c'est pas fini. Qui c'était ? Ta mère. Elle a eu un accident. Non, elle arrive demain. Mon bébé, que je te regarde. Comment ça va pas recommencer, puis en plus devant les gens, quoi, je fais. Comment veux-tu que je t'appelle ? Je sais pas, Louis, par exemple. Bien, Louis. Mais en tout cas, je te ferai remarquer que ça ne change rien au fait que tu sois mon bébé, c'est comme ça. Et là, je n'ai rien à voir en l'affaire. Non, vous savez que vous valez le coup d'œil tous les deux, hein. Bonjour, grand-mère. Bonjour, ma chérie. Bon. Alors, comment ça va, mamie ? Ça va. Mais je ne vois pas Alex. Non, Alex, il est resté à la maison. Oui, oui, oui. Te voilà. Espèce de petit salaud. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, ben, j'aurais pu venir m'attendre à la gare. Ils t'ont pas dit, j'étais obligée de rester ici pour garder... Pour garder le chien. Ah oui, 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 parce qu'on peut plus le laisser seul, il est... Eh ben oui, il faut se relayer maintenant pour le garder. C'est comme ça, oui. Oh, c'est vrai, Pilou. Tu ne veux plus rester seul ou... Notez que je me mets à sa place, c'est pas drôle tous les jours, la solitude. Heureusement que Monte Carlo n'est pas loin de Manteau, parce qu'entre nous, sans le casino, je ne sais pas ce que je deviendrai. Oh, ne me dis pas que tu joues ta pension à la roulette. C'est selon. Oh. Il m'arrive de me risquer au baccarat. Hey. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'ai repris le sabot de Barbara Cunningham. Oh. Oh, mes enfants, quelle soirée! Un jeu d'enfer. Madame est servie. Vous m'aviez caché ça? C'est une idée de Louis. Venez, mamie, venez. Tu as été augmenté, si je comprends bien. Non, pourquoi ? Pour rien.
Si tu venais à apprendre qu'ils ont besoin de quelqu'un sur la Côte d'Azur, je ne dirais pas non. Bah qui? Bah la CIA. Une enquête de temps en temps mettrait du beurre dans mes épinards. Il est peut-être un peu tard pour te lancer dans la carrière. Ah bien. Admettons que je n'ai rien dit. Dites-moi, et si on en revenait plutôt à cette Américaine dont vous parliez tout à l'heure? Barbara Cunningham? Oui. Posez ça là, Angelo. Là. Oui. Pauvre chérie, elle a pris une de ses culottes. Le temps de demander une carte, elle en était déjà de 200 000 francs. Ah. 20 briques? Et au fait, on ne les a toujours pas retrouvés, ces bijoux. Ah non, pas que je sache. Tu diras de ma part à tes petits amis qu'ils sont nuls et archi nuls. Ah bah pourquoi? Tu as une idée sur la question? Mais oui. Moi, je sais tout. Où, quand, comment et même qui. Château de Sens, 1975. C'est pas un drame, mon ami. Je crois me souvenir que c'était une année très correcte. Et même excellente. Venez, Angelo, je verserai moi-même. C'est... Non, mais... Et qui a fait le coup, selon toi? J'ai passé l'âge, ne l'oublions pas. On vous sonnera, Angelo. On vous sonnera. Peut-être pas encore très stylé, mais beaucoup de prestance. Beaucoup. Et je crois que vous lui avez fait une très forte impression, mamie. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si oui ou non, t'as gagné 20 briques. Ça n'a pas duré. Tu les as reperdues? Oh, c'est malin. Mais c'est le jeu. Que dirais-tu d'un petit poker? Avec ta permission, j'irai plutôt faire un tour. Angelo, vous pouvez débarrasser le café? Oui, madame. C'est tout de même extraordinaire que personne, jamais dans cette maison, ne veut jouer aux cartes avec moi. Enfin, mamie, vous me connaissez, sortie de l'abattage, je ne sais rien. Je n'en suis pas là. Si c'est pour contenter madame, et avec la permission de monsieur, bien entendu, moi, je peux jouer un peu. Oh, ah, ben c'était pas tant. Comme ça, tout le monde trouve son compte. Je suis avec toi, à Louis. À tout à l'heure, maman. À tout à l'heure, mamie. Je sors les cartes. Avec votre permission, nous jouerons plutôt avec les miennes. Je suis terriblement superstitieuse. J'ai horreur de toucher à des cartes que je ne connais pas. Il va la plumer, hein. C'est comme si c'était fait. Pour le moment, elle baisse. Tu trouves? Physiquement, je dis pas, mais c'est la tête qui m'inquiète. Ce qu'elle a pu nous raconter à propos de Barbara Cunningham et de son garde du corps. C'est peut-être vrai. Je crois bien que c'est vrai. C'était même écrit en long et en large dans tous les journaux. Ouais. Alors, tu crois qu'elle les a jamais rencontrés? Qu'elle invente? Évident. Oh. Foule. Il y a des jours où on n'a pas de jeu. Voulez-vous qu'on s'arrête? Oh non! Laissez-moi une chance de me refaire. Ne te retourne pas, j'ai l'impression qu'on nous suit. Une cigarette, s'il vous plaît. J'y fume pas, madame. Sur la table basse. Oui, sur la table basse. Voilà. Merci. C'est à vous de parler. Je connais quelqu'un qu'un jour, ils m'ont surpris à tricher. Le lendemain, il était mort. Ah oui? Et de quoi? 6 balles dans le ventre. Oh, le pauvre! Je vous écoute. De père. Je crois, mon cher Angelo, que la cause est entendue. Vous m'avez l'air d'un drôle de cocotte. Oh, drôle, c'est possible. Mais en ce qui concerne la cocotte, vous êtes dans l'erreur. En français, il n'y a que de drôles de coco. C'est ainsi. Jamais de cocotte, dans le sens où vous l'entendez. Alors, elle n'est pas encore finie, cette partie? Un massacre. Oh, ma pauvre maman. Mais c'est moi qui ai gagné 6 270 francs. Ancien? Oh, il n'y a plus que toi pour compter en anciens francs, mon bébé. 6 270 francs nouveaux. Je suis désolé, mon pauvre vieux. Oh, le jeu, c'est le jeu. Qu'on gagne ou qu'on perd, toujours les sourires.
J'espère que vous allez nous offrir le champagne. Dès que Louis m'aura donné l'argent. Comment ça? Eh oui, il faut bien que monsieur, un jour ou l'autre, me donne mes gages de janvier. Vos gages de... Oui, 5 000, plus une petite avance sur le février, s'il vous plaît. Oui, non, mais on en reparlera. Ah non, tout de suite, tu payes et on n'y pense plus. Mais aujourd'hui, j'ai pas cette somme à la maison. Tu passes à la banque. Alors qu'il est? Dieu merci, elle est fermée. Dieu merci, tu n'envisages tout de même pas de carotter ta mère. Écoutez, mamie, en raclant mes tiroirs, j'arrive à 4 270 francs. Ça pourra aller, non? Mais où as-tu trouvé tout cet argent? Surprise que je te réservais pour ton anniversaire. J'y pense, moi, aux anniversaires. Ce sera toujours ça de prix. Mais n'oublie pas, tu me dois encore 2000 francs. Oui. Moi, je ne demande pas mieux que de vous rendre service. Encore faudrait-il que je m'y retrouve. Oui, mais moi, je n'ai pas d'argent. Vous m'avez bien dit que votre ami Francesco était croupier au casino d'Ostend. Si. Mon numéro fétiche est le 7. Le 7. Et encore le 7. Charlotte. Hein? Je dors. Oui, ben chacun son tour. Quoi? Oui, demain soir. Oui, les 7. Oui, les 7. Encore les 7, toujours les 7. Je sais bien. Comment faire autrement? À qui téléphonez-vous? J'appelle l'horloge parlante. Ma montre s'est arrêtée. Taxi! Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur? Vous ne me reconnaissez pas? Oh! Oh, excusez-moi. Sur l'instant, avec ce turban, vous avez pris pour un prince arabe. Oh, si je m'attendais! Puis-je vous déposer quelque part, chère madame? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Bon, 1 heure moins le quart, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais que veux-tu qu'il lui arrive? Ben, on ne sait jamais. La voilà. Ah ben, c'est pas trop tôt. Ben alors, où étais-tu passée? Pour une fois que je suis en fond, j'en ai profité. Ah ben, c'est ce que je vois. Vous ne devinerez jamais qui m'a ramenée jusqu'ici. Serafino. Serafino? Qu'est-ce que tu dis? Oh, mais c'est vrai que vous ne pouvez pas comprendre. Le garde du corps de Barbara Cunningham dont je vous avais parlé, vous vous souvenez? Eh bien, c'était lui. Entre parenthèses, je l'avais mal jugé. Sous ses 2 heures de brut, c'est un garçon charmant. Nous avons d'ailleurs échangé nos adresses. Mais vous ne comptez pas le revoir? Pourquoi pas? Écoute, maman... Mais ce sera pour un autre jour, parce que moi, si je veux attraper mon train, j'ai intérêt à me grouiller. Tu rentres à Menton? Je vais à Ostend. Et ne me dis pas que tu l'as oublié, je te l'ai rappelé la dernière fois que tu m'as téléphoné. Mais qu'est-ce que tu vas faire à Ostend? Par Zoé. Zoé? Mais je crois qu'elles étaient brouillées. Oh, bah, tu sais, tu connais ta mère avec ses amis, hein. Me voilà. Bon voyage, madame. À bientôt, mon ami. Eh bien, nous allons? Oui, bien, tout de suite, maman. Le temps de sortir la voiture, tout de même. Hein? Qu'est-ce qu'il a? Mais c'est l'annonce de votre départ précipité qui l'a surpris. Mais moi aussi, d'ailleurs. Mais tu sais qu'il m'inquiète. Toi, tu ne t'en rends pas compte parce que tu le vois tous les jours. Mais crois-moi, il baisse. Ah bon? Physiquement, je ne dis pas il est encore très bien. Mais c'est la tête qui m'inquiète. Mais qu'est-ce que c'est, cette valise, mamie? J'ai acheté ce matin avec le reste. Pourquoi l'avoir mise à la consigne? C'était plus simple que de la trimballer jusque chez toi pour finalement la ramener ici. Non? Bah, dis-donc, oui. T'es sûr qu'elle n'est pas un peu lourde pour toi? Oh. J'espère que tu trouveras un chariot en arrivant. Tout est prévu, on m'attend à la gare. Où vas-tu? Je vais déposer ça dans votre valise. Tu sais bien que j'ai horreur des sucreries. Mais c'est pas pour vous, c'est pour Zoé. Elle pense vraiment à tout. Bon, écoute, maman, il faut que je te dise. On ne sait jamais ce qui peut arriver si des hommes pénétraient dans ton compartiment. C'est juré, mon bébé. Jamais je n'accepterai des bonbons d'un monsieur que je ne connais pas. D'ailleurs, j'ai ceux de Charlotte. Mais où est-elle? J'arrive. Ah, voilà.
Au revoir, mamie. On ne va pas s'embrasser jusqu'à ce que mort s'en suive. Attention, mon temps. Vous pouvez aller, mes enfants. Au revoir. Et merci pour tout. Les bijoux n'étaient pas dans la valise? Non. Par contre, Domenico, lui, est dans le train. Venez, on sera mieux dans ma voiture. Oh non, lâchez-moi, enfin. Ta mère a volé un sac. Si elle se met à piquer dans les magasins, maintenant, vachement moderne. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est cloche que ça fait prendre, ça t'aurait évité le cadeau d'anniversaire. Voyez donc pas qu'on est en plein drame, non? Et toi, ne mets pas tes pieds sur les fauteuils. Oh, Louis, t'arrives bien. Épluche-la-moi. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Comment tu peux faire une chose pareille? Mais j'avais pas le choix. Il y a un type de la bande à Domenico qui a essayé de m'enlever. Bah, ils sont sous les verrous depuis hier soir. Ah bon? Bah oui, Renaud vient de me le dire, on les a arrêtés en Belgique. En Belgique? Oui, à Ostende. C'est bien ce qui m'inquiète d'ailleurs. Oh, mais alors? Ça change tout. C'était un dragueur. Et alors? Bah, si j'avais su, je l'aurais fait marcher 5 minutes. Oh, Charlotte. Dommage. Elle ne regrette même pas son geste. Non, mais il s'agit d'un malentendu. On en reparlera plus tard à la chambre des flagrants délits. Patron? Qu'est-ce qu'il y a encore? On a retrouvé les bijoux. Ils étaient cachés dans le double fond de la valise. Non, mais quelle valise? Celle que Domenico avait avec lui quand on l'a arrêté? Oui, mais d'après l'inventaire fourni par l'assurance, il manquerait la rivière de diamants. Bon, j'arrive. Commissaire, il faudrait quand même pas oublier que si la police a retrouvé les bijoux, c'est un peu grâce à moi. C'est un peu forte, celle-là. Enfin, souvenez-vous de ce qui avait été convenu. La CIA n'a pas voulu négocier avec les voleurs. Louis n'a rien voulu entendre, rien. N'est-ce pas, mon chéri? Rien, monsieur. C'est entendu, vous avez été très coopérative. On vous y reprenne plus? Merci, commissaire. Ils ont sonné, non? Bah oui, mais il n'y a qu'un paquet. Puis c'est pour vous, d'ailleurs, tiens. Pour moi? C'est une bombe. Mais non, c'est pas une bombe. Vous connaissez pas la Domenico. Il est capable de tout, Louis. Bah ouvrez, comme ça on saura. Mais faites vous-même, non? Faites vous-même. Bah moi, je connais cette écriture. Oh, je ne sens pas bien. Louis, qu'est-ce que t'as? Quelle heure est-il? Eh ben, il est 2 heures passées, pourquoi? Ah ben, ça doit être ça, j'ai faim. Oh, exagère. Angelo, vous pouvez mettre la table? Ah ben, c'est plus la peine, ta mère est partie. Oh ben, tu permets de payer jusqu'à la fin du mois, j'en ai pour mon argent. Ce serait temps, j'ai l'écrou. Eh ben, t'es pas le seul. Angelo! Et ta sœur? Je sais pas où elle est, moi. Ah bon? Attends! Mais qu'est-ce qui s'est encore passé, là? Hein? Oh, ma pauvre chérie. Ah, j'en ai marre, hein, moi. C'est Angelo, cette fois. Il y avait un paquet pour lui. Un paquet? Oui. Il y avait une rivière de diamants dedans. Oui. Mais il y a combien de temps? Mais là, tout de suite, on l'a amené. Ah bon? Mais oui. Ah, 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 ah,
C'est pas si, ton oh, va que là, c'est... Ouvre pas cette porte, Angelo. Mais enfonce là, quoi. Non, on fait ça dans les films, ma chérie, pas chez soi. Tu sais ce que ça coûte, une porte? Oui, arrête, il a déjà cassé une glace, tu crois pas que ça suffit? Il se tirait pas la fenêtre. Qu'est-ce que c'est ça? Non è mio, commissario, quello lì. Me l'ho messo in tasca, commissario. Non è il mio, sono gente nuova, commissario. Porca miseria, c'est pas moi, commissario. Non è il mio. J'espère que vous admirez le travail. Foudroyant. Mais comment as-tu su qu'il était ici? J'avais mes indicateurs. Notez bien que j'aurais pu intervenir plus tôt, mais tu me connais, j'aime faire de belles plaisirs et puis je voulais en avoir le cœur net. Ah, excusez-moi. Merci. Merci. Mais de quoi? De ne pas non plus avoir négocié avec Sampietri. J'avais encore un doute, parce que tout à l'heure, figure-toi, à la PJ, tu m'excuseras, mais t'avais l'air fort comme un âne qui recule. Moi? Non, je comprends tout, maintenant, c'est à cause de la bêtise qu'elle a faite. Hein. Ah bah oui, oui, bah, ouais. Mets-toi, ma place. Rassure-toi, j'ai tout frais l'affaire. Merci. Allez, allez. Merci. Oui. Bon, bah, ça, avec vous, je m'attends à ça. Bon. D'accord, je vais lui dire. Il est parti? Oui, mais j'ai eu peur. Enfin, tout est bien qui finit bien. Pour ton histoire de vol à la tire, c'est arrangé. Je respire, crois-moi. Profites-en, ça va pas durer. Ta mère, elle arrive. Tu vas voir qu'elle s'est encore brouillée. Avec Zoé, ben, ça n'aura pas traîné. Bon, et comme de juste, faut aller la chercher à la gare, c'est ça? Non, elle arrive avec sa petite auto. Quel petit auto? Bah, c'est acheter une voiture, figure-toi. Non, mais c'est impossible. Bah, pourquoi? On en trouve d'occasion, pas très cher. Tu ne te rends pas compte qu'elle n'a pas conduit depuis 20 ans, qu'elle prenne la route, on la reverra jamais vivante. Faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Elle téléphonait d'un bistrot pendant qu'on lui faisait le plein d'essence. Elle fait son petit effet? Ah, ça, pour en jeter, elle en jette. Peut-être un peu sport pour une personne de mon âge. C'est ce que tu penses? Oh, moi, c'est bien simple, je pense plus. Non, mais là, elle est pas à toi, tu nous fais marcher, là. Je ne l'ai pas volée, si c'est ce que tu imagines. Mais comment ça peut-il coûter un engin pareil? Ah, ne compte pas que je te le dise. Avec ton tempérament sanguin, tu nous ferais une attaque. Merci. Je ne veux pas avoir la mort de mon fils sur la conscience. Mais qu'est-ce que c'est que cette bague? Elle te plaît? Je te la donne. Elle est vraie? Mais non! Il y a des limites à la magnificence, Charlotte. C'est un zircon. Ah bon? Oui, mais comme ça, dans la pénombre, il fait encore son petit effet. Ah oui, elle est belle. Hein? Louis! Ça brûle? Mon Dieu, c'est le cassoulet. Qu'est-ce qui se passe? Regarde par la fenêtre, il y a une surprise. Waouh, super la caisse! Elle sera à toi dès que j'aurai embouti mon premier réverbère. C'est vrai? Oui, mais ne te réjouis pas trop vite, hein. J'ai l'intention de prendre mon temps. Bon, ça ira, ça a un peu accroché, mais enfin, c'est rien. Isabelle! Allez, on va passer à table. Oh, pas moi, j'ai déjà déjeuné. Comment ça? Chez Bouboule. Quoi, au coin de la rue? Ah oui, vous m'aviez tellement vanté ces moules marinières. Oh, non. Bon, d'où tu sors, toi? De chez Carlotta, où je t'ai acheté ça. Attends, laisse-moi faire. C'est vrai, c'est pour moi? Oui, oui, s'il est trop petit ou trop grand, tu pourras toujours aller le changer. Oh, la vache, c'est du cachemire! Oh, t'es trop mignonne! Maman, peut-on savoir d'où t'est tombé tout cet argent? La chance pure. C'est-à-dire? Le casino. Raconte. Ce sera vite fait. Je mise 100 francs sur mon numéro fétiche, le 7. Et il sort. On me paye. Combien? Fais le calcul. 3600 francs. Je mise le tout sur le 7. Qui ressort? Et ainsi, trois fois de suite. Et t'as réussi à t'arrêter? Bon, je comprends. J'ai ramassé mon fric vite fait et adieu Berthe. Et alors, ça se monte à combien, tout ça? 3 millions et des poussières. Waouh! Ancien ou nouveau? Belge! Tiens, qui ça peut être? Oh, je vais aller voir. Ouh, moi, je monte faire ma sieste. Et je t'accompagne. Vous avez oublié quelque chose, commissaire? Mais qu'est-ce qui se passe? Un petit problème. Problème? Oui.
D'après l'inventaire de l'assurance, il manquerait une bague et un diamant. Un diamant? Oui. Un solitaire dans les 10 carats. Il ne vous l'a pas présenté? Enfin, présenter quoi à qui, là, je crois que... Sans Pietri. Il l'avait avec lui, oui ou non, ce diamant? Ah non, non, je crois pas. Seulement la rivière. C'est aussi ce qu'il prétend. Oh, commissaire, ne me dites pas que vous avez eu le temps d'aller à la PJ, de l'interroger et de revenir. Mais on est resté en panne, à 300 mètres d'ici. Un peu cible de redémarrer. Elle n'a rien voulu savoir. Voulez-vous que j'aille lui dire deux mots? À Sans Pietri? Non, à votre voiture. Les voitures, c'est comme les plantes. Plus on leur parle, mieux elles se portent. Vous ne devez pas savoir la prendre. Elle n'est pas à moi, c'est une voiture de fonction. Oh, bah alors évidemment, ces voitures qui passent de main en main sont souvent très difficiles. C'est comme les enfants de divorcés, censés se baloter d'une famille à l'autre. Alors après ça, les parents s'étonnent de ne rien pouvoir en tirer. C'est délicat, une voiture. À propos de voiture. Ah, regardez, par exemple, la petite là, qui est devant la porte, celle de mon fils. Elle n'a pas toujours été rouge, hein? Justement, je me demandais à qui elle pouvait appartenir. Ah ben voilà, maintenant vous savez. Quand sa grand-mère l'a offert à Alex, elle était blanche. Eh bien, vous ne devinerez jamais comment elle a changé de couleur. Sur l'autoroute du Sud, en passant devant un radar à plus de 200 km à l'heure, elle est devenue rouge d'un coup. On n'a jamais su si c'était de plaisir ou à cause de la trouille qu'elle a eue d'être attrapée par les motards. Non mais, bien qu'elle plaisante, là. J'avais compris. Vous avez de l'humour, vous, hein? C'est pas comme mon mari, hein? Rien ne fait rire. Évidemment, faut savoir apprécier, hein? Tout le monde n'est pas à la hauteur. Ah, oui. Tu nous excuseras de ne pas te retenir, mais on allait se mettre à table. Oui, c'est vrai. On allait... Qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Pourquoi? Mon indicateur a le même. Oh, il doit pas avoir très bon genre. Tu te vois avec ce chapeau sur la tête? C'est une femme. Pas très grande, de la soixantaine, des cheveux grisonnants. Vous voyez pas? Non. Et les dents longues, je vous dis que ça. Si longue que ça? Non, je vois pas du tout. Bonjour, commissaire. Pardon. Où vas-tu, toi? Ah bah ça, si on te demande, tu sais pas, d'accord? Ma fille me parlerait sur ce ton, je ne le permettrai pas. T'es une fille? Non, un chat. Ouf! Dure journée. Puce, donne-moi cette bague. Si je veux. Mais justement, je veux pas. Non, mais sérieusement, tu ne comptes pas la garder? Pourquoi pas? Mais Barbara ne la portait pas, je ne la lui ai jamais vue. C'est possible, mais elle est assurée comme le reste. Tu ne vas pas te mettre à discuter pour 10 malheureux carats après tout ce que j'ai fait pour la CIA. Cette bague mise à part, tous les bijoux sont retrouvés à l'heure qu'il est. L'assurance n'aura rien à payer, qu'est-ce que tu pouvais espérer de plus? Mais je ne t'ai jamais rien demandé. Pardon, tu m'as provoqué. Quoi? Il me semble que j'ai fait mes preuves, non? Comment? Tu as surtout fait ta plotte. Combien as-tu touché du commissaire? Dis donc, grand-mère, tu sais qu'il est super génial, ton chapeau? Il te plaît, je te le donne. C'est vrai? Oui. Oh, t'es un amour. Maman, combien as-tu touché? J'avais demandé 10 000. Je n'en ai eu que 2. Tu me diras que ce n'est pas grand-chose. Mais si tu ajoutes à ça les 30 000 que m'avait promis Domenico pour l'échange de la valise, plus les 50 000 que j'ai obtenus des policiers belges pour leur avoir indiqué le lieu et l'heure de notre rendez-vous, tu avoueras que pour une débutante, je me débrouille pas mal. Heureusement que vous habitez Menton et pas Paris. Pourquoi ça? Jamais je ne supporterai la concurrence. Oh non, mais tu l'entends, mon bébé. Eh oui, bébé entend tout. C'est la chose la plus gentille qu'on ait jamais dite à une femme de mon âge. Tiens, il faut que je t'embrasse. Grazie mille, arrivederci. Ti voglio bene. Mon Dieu, que la vie est rigolote. Ah, bravo, mamie, tu prends les choses du bon côté. On débarrasse, que le diable l'emporte. Oh, moi, je crois qu'il va me manquer, finalement. C'est vrai, je commence à m'y habituer. Il m'a échappé. On est une famille de toutes les couleurs, ou de père en fille, on est enquêteurs, le bonheur. On est un pour tous, on est tous pour eux. Dès que papa tous, les
Il y a maman qui court, on assure dans les assurances.